Comment calculer le pH d'un acide faible et d'une base faible? Alors, tout d'abord, il faut définir ce qu'on appelle la constante d'acidité. C'est lié à cette réaction pour l'acide, d'accord? On a l'acide qui réagit avec l'eau pour former des ions H3+, c'est la base conjuguée de l'acide qui nous intéresse, d'accord? Je vous rappelle qu'un acide a la particularité de pouvoir céder un proton en solution. Pour la base, la réaction qui nous intéresse, c'est la base réagit avec l'eau pour donner son acide conjugué et l'ion H-. Une base est capable de capter un proton en solution. Ça, c'est les définitions de Bronsted. Alors, les constantes d'acidité et de basicité, qu'on note Ka et Kb, comment est-ce qu'on les calcule? On fait le produit des concentrations des produits de la réaction qu'on divise par le produit des concentrations des réactifs. Ici, vous voyez que l'eau n'apparaît pas dans mon équation. Pourquoi? Parce que l'eau, ici, est le solvant. Donc, on ne met pas en jeu sa concentration ici. Ça n'a pas de sens de parler de la concentration du solvant. Pour le Kb, c'est la même chose. Produit des réactifs, concentration d'acide fois concentration en H-, divisé par la concentration en base. On voit ici, encore une fois, que H2O n'apparaît pas puisque c'est encore une fois le solvant. Du coup, qu'est-ce que ça nous permet de calculer tout ça? Ça nous permet d'identifier le caractère acide et basique de soit ma base, soit de mon acide. Et ça va être caractérisé par ce qu'on appelle le pKa. Ça se calcule de la façon suivante. Le pKa, c'est égal à moins log, logarithme décimal, du Ka. Pour le pKb, c'est la même chose, moins log de Kb. Donc, voici définies les constantes d'acidité et de basicité. On sert principalement de la constante d'acidité lorsqu'on travaille sur le calcul du pH d'un acide faible et d'une base faible. Alors, cas particulier, on observe ici que si je multiplie le Ka par le Kb, d'accord, eh bien, qu'est-ce qui va me rester? La base et la base vont simplifier dans mon équation, et l'acide et l'acide vont simplifier aussi. Donc, il va me rester deux choses, la concentration en ion H3+, multiplié par la concentration en ion H-. D'accord? Et ça, c'est lié à quoi? Cette constante de dissociation de l'eau, c'est lié à la réaction qu'on appelle autoprotolyse de l'eau. Voilà. L'échelle des pKa, c'est ce qui va nous permettre de caractériser l'acidité et la basicité de notre acide ou notre base. Alors, si le pKa de l'acide qui nous intéresse est inférieur à 0, on a un acide fort. Si le pKa est supérieur à 14, on a une base forte. Et entre les deux, on a les acides faibles et les bases faibles. Alors, comment est-ce qu'on calcule le pH d'une solution d'acide faible ou de base faible? Alors, si je reprends cette équation, Ka égale concentration de base fois concentration en H3+, divisé par la concentration en acide. Et je m'intéresse, vous rappelez, pour calculer le pH, le pH s'égale à moins log de H3+. Donc, il faut que j'isole ici H3+ dans mon équation. C'est ce que j'ai fait là. H3+, est égal à Ka fois l'acide, divisé par la base. Donc, ensuite, je mets ma formule de calcul du pH, d'accord? Et ça me donne l'équation suivante. Le pH est égal au pKa plus le logarithme de la base sur l'acide. Concentration en base sur concentration d'acide. Donc ça, c'est ce qui me permet de calculer le pH, d'accord, d'une solution d'acide faible ou de base faible. Il faut que je connaisse le pKa, et ça, c'est donné dans tous les exercices. On vous donne le pKa du couple acide-base correspondant. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. L'autre façon de voir les choses, c'est, selon le pH de la solution, quelle est l'espèce majoritaire? Comme la réaction n'est pas totale, j'ai un mélange d'acide et de base en solution. La réaction, c'est un acide faible, il n'est pas total. Donc du coup, ici, lorsque le pH est égal au pKa, ça veut dire ici dans ma formule que ce terme-là est égal à 0. Alors pourquoi il est égal à 0? Parce qu'en fait, la quantité en base, la concentration en base et la concentration en acide sont égales. Ça, c'est un cas particulier. Quand la concentration en base et en acide sont égales, le logarithme ici, c'est le logarithme de 1, et le logarithme de 1, c'est égal à 0. Donc le pKa est égal au pH. pKa égale pH. Donc ici, quand le pH égale pKa, c'est qu'on a la concentration en acide et en base égale. Maintenant,
Si le pH est inférieur au pKa, quelle est l'espèce qui domine? Bien, il faut que ce terme ici, si le pH est inférieur au pKa, il faut que ce terme ici soit négatif. Pour que ce terme soit négatif, il faut que la concentration en acide soit supérieure à la concentration en base. Donc ici, quand pH est inférieur au pKa, ce qu'il faut retenir dans ce diagramme de prédominance, c'est le fait que l'acide est majoritaire, prédominant. Maintenant, quand le pH est supérieur au pKa, ça veut dire que la concentration en base est supérieure à la concentration d'acide. Et donc, que la base est majoritaire dans le milieu. Base. Base. Majoritaire. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, d'accord, c'est pouvoir retrouver l'équation, l'expression de la constante d'acidité d'un couple acide-base. D'accord, se rappeler la constante de dissociation de l'eau, surtout pas forcément savoir redémontrer cette formule, mais connaître la formule pH égale pKa plus log de base sur l'acide. Ça, il faut le connaître par cœur, il n'y a pas de solution. Et ensuite, à l'aide de cette formule, pouvoir retracer le diagramme de prédominance. C'est ce qui est demandé régulièrement dans les exercices, dans les problèmes, de pouvoir dire, bah, si je suis à pH inférieur au pKa, quelle est l'espèce majoritaire? C'est l'acide, et inversement, c'est la base.